Hey, coucou! On se retrouve pour un nouveau vlog. Je pars là au salon baby. Il est présentement très tôt. J'essaie de vous montrer sur ma montre. Même tout juste 8h. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Même pas tout à fait. 8h moins 1, on va dire. Je suis chez mes parents pour récupérer ma soeur et ma belle-soeur qui viennent avec moi. Je sais pas si je vous filme le reste après, mais ce qui est sûr, c'est que je filme ce matin le salon baby. On va retrouver des copines, tout ça, donc je vais filmer un petit peu. Je sais pas ce que je mettrai en musique, tout ça, mais je vais filmer un peu comme au salon Baby Cool, j'avais filmé. Voilà, j'ai été invitée par le blog, donc voilà. On va au petit déj-blog à 9h, d'où le fait que je sois déjà là. Je suis levée depuis 6h30, partie depuis 7h30 de chez moi, donc autant vous dire que ce matin, le maquillage est très important. Donc je viens de mettre mon gloss, d'enlever le siège auto qu'il fallait pour laisser de la place, et je vais aller voir si elles sont prêtes. Donc on vous retrouve tout à l'heure. C'est parti. Et de sens les... D'accord. Du coup, le deuxième peut se mettre en bas dans l'autre sens aussi. Là. Voilà, exactement. Quand t'es l'angle, tu peux le mettre l'avant aussi. Ah, ça c'est intelligent. Voilà. Ah oui, d'accord. Avec les deux... On peut mettre dans l'autre sens. Oh, génial. Ah, ça c'est intelligent, ça. Ça, je trouve ça top, ça. Mais grave.
vous allez, les parents, ils forment eux-mêmes le kit. En choisissant la page, en fait, pas mal. Pendant enfant. Donc vous avez tout ce qui est gestes du quotidien, comment faire ses lacets, les boutonner. Vous avez aussi le cartable, le zippé, la ceinture, mais aussi tout ce qui est voilà, apprendre l'heure, l'horloge, apprendre à compter, donc c'est du scratch en fait. Ouais, sympa. Reconnaître en fait les formes, etc. Le corps humain, le visage, mais vous en avez aussi en fait d'autres. D'accord, ah oui, les pages là-bas. Par d'accord, exemple, on les voit au bout. Faire un puzzle, apprendre les formes, les couleurs, tout grand, tout petit, etc. Donc, d'accord. Voilà, c'est artisanal. Enfin, tout... Bon, vous excuserez cette luminosité pourrie. On est ressorti du salon baby. Ah, si je vous montre l'autre côté, c'est plus intéressant. Je vous montre à la maison tout ce qu'on a eu parce que là. Je vais aller ramener ma soeur et ma belle-sœur parce que on est fatigués là. Mais alors, et elles ont un problème de ouf, donc faut y aller. À plus tard. Et voilà, petit ouais, haul, on va dire, ouais, de ce qu'on a ramené. Donc chez Mam, on va commencer par Mam. Ils m'ont proposé de tester. Pourquoi t'es flou? Fais la mise au point là-dessous. Les perfectes naissances, donc pour un prochain bébé, bien évidemment, je vais pas les tester maintenant, mais je suis fan de la nouveauté quoi. Ils ont fait les perfectes que Jou adore, que c'est les tétines préférées de Jou en ce moment, pour la naissance quoi. Et je trouve ces petites tétines toutes petites comme ça, juste trop cute. Je suis fan. Donc voilà, et Aurélia nous a redonné un. Aurélia Henry, c'est leur conseillère en lactation. Un petit biberon, j'adore ces petits biberons et je voudrais tester ça pour prochain bébé donc. C'est parfait. Et on a eu juste ce tote bag d'une beauté. Je sais plus qui c'est qui a fait. Je crois que c'est Marie Savard ou quelque chose comme ça, illustration. Si je retrouve qui c'est qui a fait ce tote bag, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, ce tote bag est juste avec le détail de la petite tétine Mam. On adore. On adore. Voilà, pour l'autre tote bag qu'on a eu. On a eu ce tote bag trop trop cute. Pareil, c'est une illustratrice. Donc là, je peux vous dire, elle s'appelle Citrouille et Papillon, l'illustratrice. Et c'est, j'adore, c'est trop mignon. Donc c'est Maternitim, voilà, qui nous a également donné un petit stylo. Et nous a expliqué son application pour la maternité, qui est totalement gratuite. Donc je vous laisserai faire pause si vous voulez regarder ce qu'il y a écrit. Mais c'est génial ce truc. Donc voilà. Moi je sais que cette appli je la prendrai quand pour deuxième bébé, hein, moi je vous le dis. Ensuite dans le sac de l'accueil, donc il y avait tous les prospectus que je vous montrerai après en dessous. Il y avait en test découverte 5 couches Carrefour Baby en taille 2. Donc ça peut être cool parce que c'est des tailles, voilà, avec l'indicateur d'humidité, donc c'est vraiment pour les nouveau-nés. Donc à tester quand on fera bébé 2, qui ne devrait pas arriver dans si longtemps que ça. Une petite gourde Good Goût, donc on est des fidèles de Good Goût. Hein. Poire Williams, donc c'est pas une gourde entière, hein, c'est une gourde d'échantillon chez Good Goût. Alors, je vais mettre ça sur le côté, sinon vous avez pu vous en sortir. Une gourde Baby Bio, pomme d'Aquitaine et patate douce. Et d'ailleurs, Séverine, si elle voit ce vlog, disait que sa fille adore, donc je ferai goûter à mon chaton. Une gourde de chez Hip, et je vois pas parce qu'il fait pas la mise au point. Non, tu ne veux pas la faire sur la gourde Hip. Banane poire mangue. Voilà. On avait aussi. Alors, ça, c'est le gros tristoun du vlog. Fais la mise au point sur la Bavaria. Ils arrêtent la Bavaria pêche. Voilà, elle nous a donné l'info. Alors, c'est un peu ma bière sans alcool préférée. Mais ils vont sortir de nouveaux goûts. Elle nous a dit tropical, donc mangue, fruit de la passion. Et citron, gingembre. Et j'ai déjà hâte de les goûter. Et elles arrivent d'ici grand max cet été, elle nous a dit. Donc j'ai déjà hâte. Et je vais profiter de celle-là, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc après on avait des prospectus, le baby shakier qu'on a toujours, qui donne des réductions dans le salon et en dehors. Des magazines, voilà. D'autres prospectus pour les marques qui sont présentes sur le salon. Le magazine Magic Maman. Que je regarderai avec des échantillons dedans d'ailleurs. Je vois ça. Voilà. Pour ce qui est du sac de l'accueil. Nous sommes passés. Donc vous allez voir. Après vous avez vu je pense. Mais donc j'ai le flyer du coup de
The Baby Company. Et j'ai adoré ce qu'ils font, c'est trop joli. Vous l'aurez vu, je vous marquerai, sur... de toute façon, je vous mettrai en musique, je pense, et je vous marquerai sous chaque marque sur les centres de son scénario, le... sur lesquels on s'est arrêté. Je vous remettrai le nom, vous sachez quand même c'est quoi. On s'est arrêté chez Wish Beer. Et franchement, gros coup de cœur sur ce principe. Enfin, j'avais entendu parler de Mayumi et je sais à quoi ça sert. Et gros feeling avec les personnes sur place, avec les dames qui étaient adorables. Donc voilà. Et à tester sur prochain bébé. Je pense qu'avec Lou, ça aurait pu nous servir. Et elle nous a filé des petits autocollants. Je pense que vous allez super bien les voir, mais ils sont trop cute. Genre là, on a Louis Beer avec une cape. Là, il y a un petit cœur. Là, bah, la marque Wish Beer. Là, il y a écrit I'm real imperfect. Je suis vraiment pas imparfait. I love Wish Beer, là. Je suis pas sûre que vous allez bien le voir. On voit pas bien. C'est blanc, en fait, donc forcément. Et là, Sleep is loading. Voilà. Donc, c'était très sympa. Ensuite, passons à ce qui est là-bas. Tchouk. On s'est à nouveau arrêté chez Rêve de Libellule. Si vous cherchez un ensemble comme ça de lits qui soit hyper évolutif et hyper complet, franchement foncez quoi. Parce que ça va du lit tout petit, du berceau très haut, en lit plus bas, en lit de grand, en banquette, avec le bureau et tout, enfin c'est vraiment top. Voilà. Voilà, et c'est surtout, c'est du made in France. Donc ça... Ça, c'est toujours sympa. Ensuite, on passe chez Banda Dry. Non, le diamant de bébé et le Banda Dry. Et cette bouille trop mignonne qui est la petite puce des créateurs. De la créatrice même et de son mari, donc. Et donc, le Banda Dry, je ne peux que vous le conseiller. Je pense que je vous en reparlerai. Je vous laisse regarder les... Voilà, si vous voulez regarder les... Comment les, le descriptif. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Et c'est une vraie, vraie jolie personne qui tient cette marque. Donc elle mérite d'être plus connue. Elle a gagné un prix. Je sais pas si ça va être écrit sur ses prospectus. Attendez, il y en a un qui s'est glissé là, qui n'en est pas. Oui, j'en ai plein pour pouvoir partager aux copines ce truc-là. Et aux gens qui ont envie d'en savoir plus. Donc des petits flyers. Et voilà, c'est une vraie personne qui gagne à être connue. Moi je vous le dis. Et elle a fait une nouvelle collection. Ça c'est son idée de base. Elle a fait une nouvelle collection. Allez la voir sur Facebook. Elle est juste... je suis bête, vous l'aurez vu dans le vlog. Mais elle est juste, voilà, à tomber, cette collection. Donc voilà, on a vu... alors... Vous avez certainement vu passer ça dans mes mains. Non, pas ça, ça... Je suis pas convaincue du tout, on les a vus aux Ifluent. Je reste très sceptique. Mais voilà, si ça intéresse. Hein. C'est un coaching pour, comme vous voyez, choisir le sexe de bébé. Voilà, vous avez eu le nom du coup. Ensuite, on est passé chez Squeeze. Et ils sont toujours aussi adorables chez Squeeze. Voilà. Et donc, ils nous ont offert, parce qu'on a répondu à un petit questionnaire, ils nous ont offert une petite gourde. Et un petit truc en test aussi, mais je vous en reparlerai quand vraiment ce sera lancé, parce que pour le coup là vous pourrez pas vous le procurer. Donc voilà, moi je vais tester et comme ça je leur ferai un retour. Voilà, et j'ai choisi celle-là, j'avais choisi entre la verte et celle-là, et je sais que Jou va adorer celle-là avec le petit renard, trop mignonne. Voilà, qui est-ce qu'on oublie? Bah on est passé chez Guyabi, ils nous ont donné un petit offre privilège, moins 40% sur l'article préféré. C'est toujours ça de prix, hein. Et on a fait une petite photo avec les copines. On a fait la mise au point sur nos têtes. On est un peu flou. De nouveau un peu flou. La photo est pas flou, rassurez-vous. Mais il a du mal avec le papier photo, je pense. Ah, là, on était mieux. Voilà. Je vous mettrai leur chaîne YouTube blog. Alors, je sais... Alors, pour vous dire... Ça, c'est Séverine de Mam Flower Blog. Donc, elle a un blog et une chaîne YouTube. Charlène et Thiago, elle a une chaîne YouTube. Et j'ai oublié ton prénom. Ne te vexe pas, s'il te plaît. Et je me semble, d'après ce que j'ai compris, elle a une chaîne YouTube et un blog. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, bien évidemment. Voilà. Et je vous mettrai aussi... je laisse la place là.
j'essaierai de vous l'intégrer là. La petite photo qu'on a fait avant le départ, parce que bien évidemment, je suis une boulette et j'ai oublié de faire un plan de vlog avec elle. Donc vous les apercevez, mais j'ai pas fait de plan de vlog où je vous parle d'elle. Et on est passé chez Ouistiti & Co, qui ont donc la marque Ouistilet et qui font des sublimes choses, c'est-à-dire des bijoux de lait, des bijoux d'allaitement avec notre lait. Et je pense vraiment craquer parce que je trouve ça juste magnifique et que c'est un souvenir voilà, très symbolique et très 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 joli. Voilà, et le dernier truc que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on est passé chez Monroucou et on a eu ce petit sac. Et chaton a déjà commencé à découvrir les trucs. Et donc je lui ai sorti la petite peluche qui était dedans, qui est trop mignonne. C'est la même version, enfin c'est la même, le même lapin que celui qu'ils vendent, mais en plus petit et avec le corps souple. Et chaton, il adore les peluches à corps souple. C'est comme son doudou, donc il a dit qu'il avait un doudou lapin en plus. Il est trop mignon. Et donc dedans, on avait un petit prospectus bah, qui bien évidemment nous parle de l'eau. C'est l'eau que j'ai utilisée quand j'étais enceinte. Et il est pour les biberons de Jou. Donc moi je valide évidemment cette eau. Voilà. Il y a une petite bouteille. Voilà, une petite bouteille. Donc c'est le format de leur plus petite bouteille. Et je trouve ça hyper pratique à transporter. Surtout qu'ils vendent. Alors nous ils nous l'ont offert comme on était blogueuse, youtubeuse, tout ça. Mais voilà. Le petit prêt à boire. Et donc en fait ils le vendent comme ça avec la bouteille. Attendez, je le raccroche et je vous montre. Et ils nous l'a donné nous. Et ils le vendent comme ça. Et en fait le format de la bouteille est juste mais génial à embarquer. Et le petit, il y avait un petit goodies en plus. C'est un bébé à bord de mon coup. Voilà. Je vais vous reprendre en face cam pour clôturer ce vlog. Oui, puis il y avait le petit badge, mais il me semble que je vous l'ai montré pendant le salon. Non, à la fin, bref. Et le petit badge, voilà, voilà. Allez, je vous reprends en face cam. Du coup, je suis rentrée, j'ai déposé ma soeur et ma belle-sœur, comme je vous disais. Je suis rentrée et j'ai mangé direct avec mes amours, d'où le fait que maman, il soit 4h moins 20 et que je vous filme tout ça. Voilà, donc je vais clôturer ici ce vlog, même si j'hésitais à filmer un peu après. Et je me dis que c'est plus sympa de faire un vlog vraiment salon baby. Donc voilà. Donc voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Et ben on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Et chaton me demande un nouveau Peppa Pig. Allez, à bientôt.